Et Mr. Jiggs, Jupiter Lassen, cela fait 30 ans que vous faites des performances. Et qu'est-ce qu'une performance pour vous? It's an opportunity to share a bit of meditation. Il disait que pour lui, cela représentait une expérience sociale. Et ce qui l'intéressait surtout, c'était l'incompréhension des différents gens qui écoutaient et de comparer leurs différentes incompréhensions avec sa compréhension de ce qu'il était et ce qu'il faisait. About myself. Ok, donc vous cherchez l'incompréhension à travers la performance. No, actually, well, if it happens, je ne cherche pas nécessairement l'incompréhension. La compréhension, ça me va aussi très bien. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir une réaction forte. Et au début, quand j'ai commencé à faire mes performances, ça m'est arrivé que tout à coup, la salle se vidait et moi, ça me faisait du plaisir. Avec le temps, cela commençait à être un peu plus accepté et les gens, ils sont restés. Et puis voilà, moi, ce que je cherche, c'est d'avoir une réaction du public, hein, qu'elle soit une réaction de la compréhension ou d'incompréhension. Voilà, cela m'est égal. On parle d'acteur accidentel, donc une vision, enfin une volonté d'élargir la scène à un public non informé de la performance en train de se faire. Peut-on qualifier vos performances de reality hacking, c'est-à-dire de faire des performances visant à faire douter les gens de la réalité qui les entoure? Absolutely. No question about it. Always leave them guessing. Il s'agit toujours de faire deviner les gens, de les laisser dans le doute, parce que ça, c'est, voilà, c'est principal, c'est très important pour ma pensée. Si on les laisse dans le doute, si on les rend confus, les gens, c'est là qu'ils commencent à penser vraiment. Et mes performances, des fois un peu plus ouvertement, des fois un peu moins, ils essaient toujours de déclencher quelque chose comme ça. Et c'est pour cela aussi que l'incompréhension m'importe. Parce qu'au moment donné où quelque chose n'est pas compris, moi je commence à comprendre comment les gens y pensent et comment. Et cela, pour moi, je ne sais pas comment il a commencé ici, mais aux États-Unis c'est particulièrement important parce que les gens ils ont tendance à être un peu, comme on disait, paresseux au niveau intellectuel. Et puis c'est pour ça que c'est très important pour moi de les laisser douter le doute et les rendre confus pour les amener après à vraiment à penser. Sometimes secret, sometimes not so secret elements to confuse them, I think is good for them mentally.